Hey, what's up? Comment allez-vous? Est-ce que je suis même connecté? Je sais pas si je suis connecté. Bonjour à vous, faites-moi un signe là que vous êtes. Impeccable, ça va. Je viens de me réveiller. Mais je peux pas enregistrer. Vous entendez le bruit là? Ben, c'est le matin ici, bonjour. Donc, I'm doing good. Je suis sorti du lit, direct. Allez, j'ai dit, je vais faire un peu d'editing ici, là. Et aussi, vous parler de la semaine qui vient, là. Qu'est-ce que je vais faire? I'm doing good, thank you. Tout va bien. J'ai travaillé tard hier. J'ai travaillé ici jusqu'à quoi? Jusqu'à 3h30 à peu près du matin. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'aller faire le vélo aujourd'hui. J'ai pas fait de vélo aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Oui, donc je viens à Cleveland. Cleveland, Ohio. Vous m'entendez bien? Cleveland, Ohio. Vendredi soir. Friday night. Friday night in Cleveland, Ohio. You can't miss this one. You know? And I will be there with the Cleveland Jazz Orchestra. You know? Je crois qu'on est 17 sur scène, si je ne me trompe pas. On est quoi, 17 ou 18? Man, je commence à perdre le. J'ai pas le compte exact. Yes, ce que j'ai posté hier là. Voilà, j'ai posté un truc hier. Voilà. Comme je vous dis. Il faut s'apprêter pour 2025, que chacun sur sa plateforme soit prêt. Everyone should be ready. Que chacun soit prêt dans son domaine d'activité ou sur sa plateforme ou dans son domaine de prédilection ou dans sa qualité à pouvoir agir ou à impacter. Donc il faut que tout le monde soit prêt. Everyone should be ready. Parce que ces gens, il faut les chasser. OK? So you heard me. Je ne sais pas quel terme je vais. Il faut les chasser. Et moi, même si vous vous rangez avec eux, moi, rien qu'avec la musique, je vais les chasser. Ah, mais I promise you that. N'écoutez pas ces gens-là qui. Hein? Quand j'ai posté hier sur le. Comment c'est? Canal 2, vous m'avez dit c'est Canal 2? Alors, dites-moi. Vous me dites que c'est une télé privée, mais quand vous regardez une radio, n'importe quelle radio, mais je viens de toucher mes doigts, ça sème, n'est-ce pas? Je vous dis, le problème en Afrique, c'est la droiture. Le vrai problème en Afrique, c'est la droiture. Et toujours, vous allez être planté parce que vous voulez toujours zigzaguer, toujours zigzaguer, toujours faire du faux, toujours voler. On ne te donne pas, ce n'est pas à toi. C'est pas ton argent. You know? If it ain't your money, don't touch it. Si c'est pas mon argent, ça ne m'intéresse même pas. It's not mine. It's not my money. You know? So why would I touch it? Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas moi. It doesn't belong to me. If it doesn't belong to you, let it go. Just let it go and slide. Et vous, vous étiez nombreux à me biper ici que, oh, l'autre, il a dit ça, que tu habites chez une femme. Hey, man, si une femme m'offre d'habiter, me fait cette offre un jour d'habiter chez elle, si, je ne vais pas dire non, je vais te dire un truc, ça ne m'est jamais arrivé, mais je vais te dire honnêtement, si ma femme me dit un jour, j'ai construit une maison, viens habiter dedans,
Est-ce que je vais dire non? I ain't gonna say fucking no, man. Fuck you. I'm going in there. J'y vais dans la maison. Mais je vais me faire des photos. Quoi? Qu'une femme tente tout de même. Mais vous allez voir. Est-ce que moi, je me cache? Ou quoi? Mais il faut avoir de la chance d'avoir une femme qui s'occupe de toi comme ça. Hein? Ah. Non, really, il n'y a pas de mal à ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Une femme est amoureuse d'un homme et elle décide d'héberger son homme? Where is the fucking problem? It's called love. You know? Pour l'instant, rassure-toi, c'est pas encore arrivé. Mais si ça arrive un jour, man, je vais tous vous biper. Y'all know, man, shit. Mother, nigger. Oh, man. Je vais prendre le micro. Oh shit. Non mais. Aïe aïe aïe. Non mais ça va sortir. C'est presque fini. C'est presque fini. C'est quand je travaille sur les chansons, je prends du temps. C'est certain. C'est pour cela que je suis indépendant. C'est pour ça que j'ai mon studio chez moi. J'ai mon petit studio chez moi. J'ai mes petits. Mais assidûment, je travaille. Oui, je sors pas les choses. Non, mais c'est les Camerounais sont fous. Hein? Il dit que j'habite chez une femme. J'ai 14 locataires, mon ami. J'ai 14 locataires au total. 14 locataires. Je compterais même si je compte mon fils. Il paye pas vraiment le loyer complet. Il paye le loyer à moitié. Je ne le compte pas. Donc 14. J'ai 14 locataires au total. Hein? Je compte pas ma bicoque au Brésil qui est vide, parce que c'est bon, c'est dans un champ de café. C'est pas pareil. Je peux pas compter tout ça. Mais j'ai 14 légaux, contrats signés, locataires. J'en ai 5 ici, là, à Miami. 5 ici, là, les propriétés. Achetées, hein? Pas les trucs empruntés, là, et tout ça, là. Et tu me dis que j'habite chez une femme. Et je te redis encore, Serge, je t'en bats les couilles, là. Singe, je t'en bats les couilles. J'ai dit, s'il m'arrivait un jour qu'une femme, même pas seulement à moi, mais si une femme offre à un homme de venir habiter chez elle, mais où est le problème? Mais quand les hommes le font, c'est pas un problème, non? Pour vous, du coup. Mais quand c'est la femme qui fait ça, mais c'est une insulte aux femmes. Il y a des femmes qui ont des moyens. Give them some credit. Et moi, je salue ces femmes fortes là qui peuvent justement le faire. It's a good thing. J'ai un ami qui n'est jamais sur Facebook. Il vient de me texter. Il me dit, je t'écoute sur Facebook là. Hey, j'arrive. Call me later. Call me later. If you're on Facebook here, I'm talking to some. Non mais. Je parle, mais quelqu'un qui est au Cameroun, il habite encore chez ses parents, ils viennent, ils sont, je sais pas combien ils sont payés pour venir insulter les gens sur les réseaux. Hein? Et autre chose pour le canal de je vous parlais, une radio ou une station, je sais pas moi, ou une télé qui se respecte. J'ai pas le temps de vous montrer, dans tous les 3 mois, je reçois mes bulletins SACEM. Lorsque tu regardes en détail, il y a des artistes camerounais qui sont à la SACEM, ils le savent. Tu peux regarder en ligne, tu vas dans tes fichiers, tu vas voir ce qui paye. Je reçois même des paiements du Cambodge. Il y a une radio qui joue au Nicaragua, il y a une radio qui joue à Bakou, en Azerbaïdjan. Ils payent. Parce que qu'est-ce qu'ils font les radios ou une télé? Ils ont une liste des œuvres qui sont utilisées. C'est-à-dire quand tu passes un morceau de Manu Dibango, eh bien c'est. C'est écrit en temps et en heure quand c'est utilisé. Chacun fait une liste et c'est ainsi qu'on dresse un listing des œuvres utilisées et on les envoie donc soit à la SACEM ou à la société qui collecte les droits localement et tout. Et c'est ainsi que sont reversés les droits d'auteur aux artistes. OK? Dites-moi maintenant, est-ce que la CRTV le fait? Est-ce que Canal 2, toute cette chaîne-là, est-ce qu'elles le font? Un why? Pourquoi on veut toujours, toujours, toujours dans les dribbles, toujours dans les dribbles? Mais sortez de là, ça ne vous. Mais
Je vous ai dit, hein, l'école est chère. L'éducation coûte cher, hein. Mais l'ignorance, encore plus. Quand tu es ignorant, mais ça va te coûter la peau du cul, quoi. You know? So, educate yourself, man. Moi, je vous dis, I'm just here giving you tools. You know? Vous pouvez aller, oh, vous insulter, machin, truc. Et je réitère, que je vous rappelle encore, je réitère et je redis encore, ici une fois, un millionnaire en dollars ne va pas aller travailler à l'Africa Food. I can guarantee you that. Ce n'est pas les dire whatever. Je le redis fermement encore. You got billions of dollars or billions of euros? Hell no. Hell fucking no. Tu vas aller travailler dans un panier à crabes où les gens veulent t'arracher les couilles tout le matin? Non, vous êtes malade. You know? Un billionaire, you got options. It's called options. Et si tu as un peu de ça, you know where to put your money. You know hell where to put your money. Tu sais où mettre ton argent. C'est pas là-bas où tu vas aller perdre le temps en train de te quereller, en train de machin de trucs, en train d'inventer des trucs, machin, des matchs fixés, arrangements. Non. You're a billionaire? I am not. But I know. Même moi, un millionnaire, je ne vais pas à l'Africa Foot. Quoi? Vous êtes malin? Tout ce que je peux faire déjà, le temps et tout? Non. I'm not going there. Alors, si tu me mets un billionnaire, ce que je ne veux même pas, je veux jamais être un, je ne veux même pas être un milliardaire. I don't want it. I just don't want it. I love my life the way it is. J'aime ma vie telle qu'elle est organisée. Moi, c'est déjà assez de problèmes avec ce que j'ai pour en vouloir plus. No. Dans vos compétitions de qui a l'argent plus que l'autre qui a l'argent. Mais y a que, mais ayez plus d'argent que moi. That's good. I don't want it. Vous savez, hey man, les gens qui parlent beaucoup d'argent, très souvent comme ça, oh l'argent, moi je veux l'argent. You know what? You never had no fucking money, man. C'est parce que tu n'as jamais eu de l'argent. Money? L'argent, c'est des problèmes, hein? Mais vous rigolez? Vous croyez que l'argent vient avec un sac à problème? Vous rigolez? Non, mais moi, je vous dis, en ce moment, je vais vous dire, par exemple, on préfère faire moins de concerts. Il est préférable pour moi de faire moins de concerts. Et gagner ça et être dans un braquet où je ne suis pas taxé là. Alors que si je fais maintenant beaucoup de concerts, là, je suis taxé à cette hauteur-ci. Finalement, en travaillant ici comme ça, si je fais 45 concerts dans l'année, on a calculé, en fait, il me reste pratiquement la même chose si je faisais 110 concerts. Allez trouver l'erreur. Qui veut travailler pour le gouvernement? Dites-moi. Mets-moi le bon samaritain. Un peu seulement, mais je veux pas passer un tiers de mon concert à payer l'oncle Sam. Mais fuck that. Je peux rester chez moi et faire d'autres choses. You know? So. Exactly. That's what I'm saying. Et donc, dites à Singe Tamba, là, Singe Tamba les couilles, là, que, vous voyez, vous entendez le boucan, là, qui est dehors. Je fais des travaux chez moi. Donc, ce que je fais souvent, bien évidemment, j'ai une société immobilière. Donc, il faut trouver des schémas et tout, mais légaux. Donc, je fais un agrandissement, et ce que j'ai souvent fait. Je suis en Floride depuis 4 ans et j'ai très souvent déménagé parce que j'achète là et puis je fais des travaux. Quand c'est bien, ben je revends. Voilà. À flip around et machin comme ça. Et comme ça, c'est ainsi que j'ai fait un portfolio de propriétés dans ma société immobilière. You know? By the way, qui s'appelle Etiquette Estate. Ce n'est pas mon nom dessus, mais c'est ma société. Et je te le dis donc ici, là, quand tu dis que j'habite chez quelqu'un. Et comment je peux être propriétaire? Hey, et si ça arrivait, I'm gonna tell you right now. Si tu, moi, si je trouve une. Inga, qui veut. Non, non, j'en veux pas.
Mais si un homme se fait loger par une femme, why not? Les femmes habitent bien. J'ai eu des girlfriends qui ont habité chez moi. Hein? Où est le problème? Et pourquoi moi, je n'irais pas habiter chez une femme? Why not? C'est qu'elle t'aime. It's called love, man. Vous devez sortir de ce cancan, cette petite manière de penser. Ah, oh, un homme qui va habiter chez une femme. Alors, and so what? Where's the problem? Si la femme a des moyens, where's the problem? Donnez un peu de propre à la femme, man. Mais les femmes sont fortes aujourd'hui. Vous croyez que c'est les femmes du village que vous avez là? Parce que vos femmes sont des femmes du village. J'avais vu la femme du nain là une fois, là, qui bavarde là comme ça, là. Le nain de whisky, là. Hein? Le nain de Jack Daniel, là. Mais dis donc, j'ai vu sa femme, mais putain, dis donc, mais je comprends maintenant pourquoi. Alors, si vous comparez vos femmes à ces femmes, non. Il y a des femmes fortes, il y a des femmes qui travaillent et arrêtez de toujours sous-estimer, undermining all the time, what women are doing out there. The women doing a great job out there. Il y a des femmes qui travaillent fort, qui travaillent bien, qui travaillent durement et qui gagnent honnêtement et qui peuvent se permettre, non, au passage. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que les femmes, même là, sont chiches aussi. L'argent de la femme, en général, c'est son argent. Hein. Moi, je vous dis. Quand tu as une femme, quand tu travailles, hein, son argent, c'est son argent. Toi, ton argent, c'est l'argent de la famille. Ça, on le sait. Ça, on le sait aussi. Il n'y a pas une femme qui va nier. Ça, c'est vrai, ça. Moi, je vous dis comme c'est. Alors, s'il y en a une qui disent, Richard Bonnat, je vais t'héberger. Eh, tu crois que je vais dire non? Mouf, je vais venger tous les hommes. Hein? Je vais venger la gent masculine. Oh là là, je vais arriver chez elle, c'est-à-dire avec un sabot, vraiment, avec mon cheval, la basse, la trompette, mais je vais faire du boucan. Eh, comment? Nous, on les a trop hébergés déjà. Donc, s'il y a une qui m'héberge, mais tant mieux. Hein? Et je vais pas m'en cacher. So that's what we're talking about. OK? Et puis n'écoutez pas ces gens-là. Ils vous disent, oh machin, ils ont toujours inventé. Oh, Cam, toi, donné 50 millions. Tu as vu Cam te me donner 50 millions? Il a trouvé les 50 millions pour me donner. Hein? Et s'il les avait, tu te lèves le matin, tu prends 50 millions, tu vas donner à Richard. Qu'on a quelle affaire ensemble. Hein? Oh, il n'a pas de femme, oh, il n'a pas d'enfant, oh, il n'a pas. Mais regardez dans quoi est-ce que ces gens-là, ils pataugent. Regardez les sujets, oh, il est gay, oh, il est machin truc. Si j'étais gay, mais Jesus Christ, motherfucker, mais shit. Mais ma personnalité, vous ne me connaissez même pas. Moi, je mettrais la perruque. Mais je m'habille comme une femme, je me maquille. Mais est-ce que je vais vous parler comme ça? Je me lève le matin. Vous connaissez même pas les gays. Et non, j'ai un pote avocat gay. Il va pas se lever le matin comme ça vous parler. Il sait déjà, tu le vois. Il est aux petits soins et tout. Vous savez même pas détecter les gays, vous. Et où est le problème? Where's the problem? Vous avez la fille de votre présent qui est gay. Où est le problème? Who's lesbian? Where is the fucking problem? It's her personal life. It is her fucking problem. Qu'elle fasse même quoi ou non. Moi, ça ne me gêne même pas. Même pas du tout. Mais vous n'en parlez pas. Mais si c'était Shakiro, hey! Oh, là, les Ekango, ils sortent ils viennent alors, mais sans des gants, ils viennent pour taper dessus. Putain, là, ils font du boucan. Ils font du boucan ici, là, ils vont commencer à couper, là. Donc, dis-lui en plus, je suis chez moi. Ma soeur me dit souvent, je ne sais pas comment tu as la capacité de. J'ai bougé, j'ai déménagé 3 fois. Et dis-moi, j'ai déménagé 3 fois en un an, là. Mais pourquoi?
Comme vous le savez, à Miami, le real estate, l'immobilier, si j'ai décidé de faire du flip around, c'est parce que l'immobilier en train de. C'est la folie, demander à n'importe qui. Les personnes qui connaissent un peu la Floride en ce moment. C'était pas ça il y a 5 ans, c'était pas ça il y a 10 ans. Mais là, ça fait un boom plus que n'importe quelle ville aux États-Unis. You know? Donc, d'où l'idée, eh ben, quand je vois des opportunités, what do? I jump on it. I seize them. Hein? Là, je vais agrandir. Je vais tout faire comme ça. Si quelqu'un veut louer, je sais pas, à la. Ou si quelqu'un veut même racheter au prix double. Mais moi, je ne suis pas attaché au. Non, ma soeur me disait, je ne sais pas quoi, je peux pas, ma maison, c'est ma maison, je peux pas la vendre. Il y a des gens qui sont attachés à leur maison et tout, ce qui est compréhensible. Hein. Mais moi, je ne suis. Alors, zéro attachement. Tu viens, tu me dis, demain, là, j'ai acheté à 1,3. Tu me dis, hey, j'ai 2,5. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis même d'arrêter les travaux. You know? Je viens même t'aider à faire des travaux moi-même. Je parle au marteau. Si tu me donnes 2,5 millions de dollars maintenant pour cette maison, hey, I'm gonna do it. No problem. Man, listen, je viens même faire le ménage. Si tu veux que moi-même je viens. Mais je suis souvent au travail des fois. Et c'est joli. Comment? Parler de quoi? Donc, dites-lui et n'ayez pas honte si quelqu'un vous dit un jour que tu habites chez une femme, c'est une bénédiction. Combien de femmes vont te loger chez elles? Il n'y en a pas beaucoup, hein? A lot of women out there that could give you that chance. Non, 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 non. Autant je donne du crédit aux femmes, mais elles sont aussi chiches. Vous le savez bien. Quand la femme travaille, j'ai jamais vu la femme. Je peux parler fort, alors on va me taper ici. Elles me méconnaissent. Est-ce que je mens à maman? Quand la mère travaille, pour qu'elle sorte son argent de l'autre côté, c'est dur, hein? Non. Mais à la maison aussi, elle compense, elle travaille beaucoup plus que, voilà, plus que nous. Qui fait vraiment le grand ménage à la maison en général? You know? Oui, je cuisine un peu. Mais c'est pas moi qui fais le gros taf. So, you gotta look at these things, you know? Il y a les mamans qui sont fâchées là. Linda, il y a des exceptions. Quelle exception? Si tu es une exception, envoie-moi Colo, envoie. Tu es une exception, maman. Envoie-moi Colo. Moi, c'est comme j'avais dit au professeur comme toi. Moi, les rumeurs que j'entends que 50 millions, la professeure, pardon, il faut laver ton nom. Lave ton nom vraiment de ces choses-là. Donne-moi les 50 si on quitte sur ça. Comme ça, on peut pas laisser quand même le nom d'un professeur. Dans des rumeurs. Hein? Il faut. You gotta make it happen, man. You can't let this thing slide around like that, man. You know, c'est pas bon ça. You know, ça c'est des. Hein? En plus, eux, ils volent en milliards. Et ils viennent me mettre moins cher dans les millions. Moi, justement, au niveau des millions. On a mamie Pima. Oh, les couillons, là. Alors. Bon, les gars. Moi. Vendredi, je suis à Cleveland. Samedi, je suis dans une autre ville. Putain, je dis toujours le nom de cette ville-là. Putain, ils vont me taper là-bas en arrivant. What's the name of this place? Et puis après, ben, je viens au Maroc. Vous vous rendez compte, je viens en Afrique, là. Motherland, baby. Je donne à mon gars, Mouf, tu parles. Eh, la mère, on connaît votre argent là. Hein? Mais à commencer par ma mère, j'ai grandi avec des femmes dans la maison, non? J'ai que des soeurs. Je connais par cœur. Ne tentez même pas. Je connais par cœur. Chi. Ma mère, elle attache ça bien là. C'est le petit foulard là. Elle attachait ça derrière comme ça. Mais elle avait des nœuds partout. Tu vois un pagne d'une femme dans le cabas.
Mais comment? Il y a les nœuds partout. Ah ouais, vous riez, je connais. Et non, je connais par cœur. Hein. Et non, j'étais encerclé de femmes. Et bien, c'est une chance aussi que j'ai eue. You know? It is beautiful, it is so. Qui c'est qui vient d'arriver là? Bon, j'ai beaucoup de travailleurs qui arrivent là, il faut que j'aille un peu superviser qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait pas quoi là. Il me dit si tu veux 50 bâtons de CFA. Non, non. Et avant-hier, j'ai oublié de vous dire, quelqu'un me dit, il a donné de l'argent à quelqu'un qui s'est fait passer pour moi en ligne. Je dis, mon frère, tu payes quelqu'un en ligne, croyant que c'est moi. J'ai déjà demandé de l'argent à quelqu'un en ligne. Mon frère, tu vas perdre 2000 dollars comme ça, là. You gave the money to the person? Non, mais t'es fou. Faut faire attention, donc faites attention là-bas. Moi, je demande l'argent à personne. Never. Et si tu demandes, je viendrai vous demander ici, là. Là, 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 devant, comme ça. Là, tout le monde, comme ça, vous m'envoyez. D'ailleurs, même, est-ce que, oui, la mère, tu es où, là? Tu dis que tu voulais me donner 50 bâtons. Alors, les amis, moi, je vous dis, passez une bonne journée. Bah, toujours dans... toujours. Hein? Non, j'avais trouvé le secret. Avec ma mère, je vous ai dit dernièrement d'énumérer les salles de cinéma qu'on avait. Vous avez donné tous les noms de salles de cinéma. Vous n'avez pas donné le vrai cinéma. Le vrai cinéma, c'était Rio. Qui allait à Rio? Hein? Quand tu passais le rond-point d'Aïdo, là, un bloc à droite. Quand tu arrives de l'hôtel Lundé, tu montes, tu arrives au rond-point d'Aïdo, tu prends à droite juste un bloc et tu montes la petite, juste une petite colline comme ça là. Et tu es arrivé à la droite, il y avait un cinéma, ça s'appelait Rio. C'était que des films chinois. Et ça coûtait 25. Ça coûtait 25 francs. Donc je calculais. Un jour, quand j'avais pas l'argent, là, je calcule ma mère. Je calcule. Non. Pour même t'approcher de son pain, là, mais c'est un challenge. Mais un jour j'ai réussi. Et tu crois qu'avec tous les nœuds là, tu crois qu'elle n'a pas le compte. Les femmes, même si c'est 40 milliards, 500 millions, 100 000, 290,25 centimes ou 28 centimes, fais attention. Si tu enlèves un centime, bah, ma mère. Elle commence déjà, rien que le regard, elle commence déjà. Ah, elle recompte encore. Elle va t'attraper. Donc voilà, je suis assis à Rio. On est en train de regarder le crépuscule des crapules. Et là-bas, tu regardes le film, il y a déjà au moins 50 personnes qui racontent déjà ce qui va se passer. Tu vas voir le chef bandit va le taper maintenant et voilà, l'acteur va faire ci, machin. J'ai dit, mon frère, j'ai payé pour voir le film et vous me racontez tout ce qui va se passer. T'es allé au cinéma, tous les gamins. Mais ma mère est arrivée à Rio là. Hey. J'ai entendu la rumeur dire, hey, bon, voilà la mère qui est là. Elle m'a pécho là-bas. Oh, mais on a souffert, hein. Hein? But it was fun. Fun moment. Quand j'y pense, c'est l'enfance même alors. Vivre en Afrique. So that's what it was. It was all about. Ah oui. Ça dit alors faire le trajet de Rio là, vers Daido. Rio, c'était à Daido. On descendait. J'ai oublié, on passait par le commissariat 4e, mais disons la bastonnade que tu vas te prendre au retour, là, avant d'arriver à la maison. Ça, c'est la bastonnade de route. Donc, quand tu arrives à la maison, tu as la bastonnade de maison aussi. Donc, ça, c'est différent. Ce qu'on te donne en route, bon, ça, c'est cadeau.
C'est quand tu arrives à la maison qu'on te chapia. Big time. Hein? Bah oui. C'est pour cela, c'est comme ça qu'on a été dressé. Eh oui. Eh non? Aujourd'hui, si les gens disent, oh, child protection et machin, truc, ben, ils vont même enseigner les enfants dans les écoles. Mon grand-fils est venu un jour, et ça, il me dit, ouais, aujourd'hui, on a eu les gens de child protection qui sont venus, et blablabla, ils nous ont expliqué, si un de tes parents est violent, si les machin, truc, voici le numéro, ils nous ont dit comment faire pour les appeler. J'ai dit, ah bon? Hein? Rien que mon rabon, là. Jusqu'aujourd'hui, raconte l'histoire. Je lui ai dit, le jour où tu les appelles, ici, c'est ma maison, le jour où tu appelles les child support, là, quand ils viennent ici, bon, tu pars avec eux. Ne reviens plus ici. Allez-y, amenez-le. Comme vous l'aimez plus que moi, amenez-le. Il va me child support, child support. Child support ici, là. C'est moi le child support ici. Ici, là, c'est moi le child support. Hein? Oui. I am the child support. Ce qui est vrai en plus, child support. Qui c'est qui supporte le child? It's me. Tu me parles de child protection, child whatever. Qui c'est qui va protéger mon fils plus que moi? Eh, dis donc. Je vais taper tes child support là et je vais te taper encore pour les avoir appelés. Merde. Allez. Yeah, Cody. I'm coming. One minute. Bon, le chef chantier est là, les gars. Faut que j'aille maintenant voir ce qu'on est en train de faire là-dehors. Je vous fais la bise. Et dis-leur à ces gens-là qui me trouvent une femme pour m'héberger, pardon. Moi-même, je suis. C'est dur sur moi. Ok? Allez, va pas.